Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la conjugaison au présent des verbes en IR. En français, les verbes sont classés en trois groupes en fonction de leur terminaison. Il existe trois terminaisons différentes, en ER, en IR et en RE. Pour expliquer les formes de la conjugaison au présent, il faut donc distinguer trois groupes. Les verbes qui se terminent en ER, les verbes qui se terminent en IR et les verbes qui se terminent en RE. En plus, il y a quatre verbes complètement irréguliers. Être, avoir, faire et dire. Les Français natifs classent aussi les verbes en trois groupes, mais un peu différemment. Le classement présenté ici est simplifié. Dans cette vidéo, nous allons voir la conjugaison au présent des verbes en IR. D'abord, il y a les verbes en IR qui se conjuguent avec un seul radical. Certains verbes se conjuguent avec les mêmes terminaisons que les verbes en ER, par exemple ouvrir et offrir. D'autres avec d'autres terminaisons comme courir. Offrir, j'offre, tu offres, il offre, nous offrons, vous offrez, ils offrent. Les terminaisons sont les mêmes que pour les verbes en ER. Courir, je cours, tu cours, il court. Les terminaisons sont différentes. S, S, T. Nous courons, vous courez, il court. Ce sont les mêmes terminaisons que pour les verbes en ER. Pas compliqué. Ensuite, il y a les verbes qui prennent deux S au pluriel, comme finir, choisir, réfléchir, et les verbes formés sur des adjectifs, comme rougir, formé sur l'adjectif rouge, et grandir, formé sur l'adjectif grand. Ils sont formés avec les mêmes terminaisons que courir, mais on ajoute deux S au pluriel. Je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Il y a aussi les verbes avec deux radicaux, comme dormir, servir, partir et sortir. Le radical du pluriel est différent du radical du singulier. On a ajouté une lettre de plus, reprise à l'infinitif. Dormir, je dors, tu dors, il dort, nous dormons, vous dormez, ils dorment. Partir, je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, ils partent. Certains verbes à deux radicaux changent de lettre, comme par exemple voir et mourir. Pour mourir, le O devient un E, sauf pour nous et vous. Je meurs, tu meurs, il meurt, nous mourons, vous mourrez, il meurt. Pour voir, le I devient un Y pour nous et vous. Je vois, tu vois, il voit, nous voyons, vous voyez, il voit. Il y a aussi des verbes à trois radicaux, par exemple venir, et les verbes en voir, sauf voir, que nous avons déjà vus. Venir, je viens, tu viens, il vient, nous venons, deuxième radical, vous venez, ils viennent, troisième radical. Pour les verbes en voir, par exemple vouloir, je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent. Ou recevoir, je reçois, tu reçois, il reçoit, nous recevons, vous recevez, ils reçoivent. Et voilà la conjugaison au présent des verbes en IR. Merci et à bientôt.